la place de l'homme. Il y a, dans la mienne de vie, il n'y a pas beaucoup de place pour un homme. Moi, dans ma vie, à moi, ça a été vraiment très difficile. Donc, je n'ai pas eu la chance d'avoir un mari qui a toujours été présent et près de moi et de mes enfants. Je n'ai pas besoin d'homme, je suis autonome. J'ai été déçue des hommes et voilà. La place de l'homme dans ma vie de femme, d'abord c'est mon mari. Deuxièmement après, c'est le père de mes enfants. Et un peu le chef de famille à 50%. Parce qu'aujourd'hui, la femme aussi est chef de famille à 50%. Alors, dans ma vie, il n'y a pas de place pour un homme. Vu mon vécu, j'ai été pendant 16 ans mariée. J'ai plutôt dévalorisé, c'est vrai, la place du papa. Il ne s'investissait pas. C'était toujours moi qui devais dire ce qu'il fallait faire. Je dirais tout d'abord que l'homme est très important, occupe une place de choix dans la vie d'une femme. L'homme est là, c'est un peu comme un miroir pour la femme et qui permet justement de voir nos capacités, de juger notre apparence. Ça fait 4 ans que je suis séparée et je pense que je vis mieux qu'avant. C'est le pilier de la maison, on va dire. Donc on peut s'appuyer dessus. C'est l'homme qui aime ses enfants, qui aime sa femme, d'une autre manière bien sûr. Au départ, avoir une famille, c'était papa, maman et les enfants, quoi. Et la vie a fait que les choix des partenaires masculins n'étaient pas les bons. Donc voilà, de déception, du coup, je me débrouille avec mes enfants. Moi particulièrement, j'ai besoin d'un homme dans ma vie pour m'aider, pour m'épauler dans la vie de tous les jours, m'accompagner, m'aider dans l'éducation des enfants, m'aider dans des travaux un peu difficiles. On a toujours besoin d'un homme pour nous aider à changer une roue de voiture, pour nous aider à changer une ampoule. Voilà, qu'est-ce qu'on ferait sans un homme dans notre vie? Être père, être gentil, voilà. Avoir de la tendresse, de la compréhension, pas de violence, voilà. Le respect, c'est tout ce qui compte entre l'homme et la femme. Qui s'aiment et qui se respectent, voilà. Moi, je pense qu'il devrait avoir le même rôle que nous, c'est-à-dire autant pour le travail dans la société et autant pour la famille. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est que le travail dans la société, et qu'en tant que papa, c'est simplement un titre, mais qu'ils n'ont pas le rôle du papa. On est égalité, la femme travaille, l'homme travaille. L'homme amène ses enfants à l'école, il ramène la maman, c'est pareil. Les commissions, c'est tous les deux, les factures, c'est tous les deux. Une maman travaille, et quand elle rentre, elle continue à faire le manger, le ménage. Et je pense que le papa devrait faire pareil, c'est-à-dire travailler, apporter le salaire comme le fait la femme et en même temps s'occuper aussi bien des devoirs que de l'éducation, que de la maison. Grève de cantine, on peut compter aussi bien sur l'un que sur l'autre. Il devrait aller travailler, rentrer à la maison, puis passer un petit moment agréable en soirée avec tout le monde et le week-end faire quelques sorties avec les enfants et voilà, faire une petite vie tranquille, quoi. Je pense que ça évoluera un peu peut-être, parce qu'à l'époque, je sais que mon papa ne faisait rien, c'était ma mère qui faisait. Quand je me suis mariée, ça a été quand même... Ça a été évolué dans le sens où il m'aidait quand même un peu à la maison, mais il fallait que ce soit moi qui le dise. Donc je pense que peut-être j'espère pour eux que ça sera, il y aura une évolution, mais je ne pense pas à 100%. La génération actuelle, il y a beaucoup, beaucoup de femmes seules. Et donc des enfants qui sont déjà à qui il manque déjà des repères au niveau du papa, de l'homme et de l'exemple. Et ça se ressent un peu déjà quand vous avez un gamin de 12 ans qui vous dit moi quand je serai papa, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Donc ils savent déjà ce qui leur manque et ils savent ce qu'ils voudront pas faire manquer à leurs enfants à eux. Un, deux, trois, c'est parti. Vous êtes prêtes, les filles? Ouais, le son, il est très bien. Cool. Est-ce que tu peux...